Eh bien, yo tout le monde, c'est Shinyx. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le let's play d'Amocraft. Donc voilà, j'ai pas rec, je suis dégoûté parce que j'ai fait une découverte, on va dire ça comme ça. Enfin, on va dire ça comme ça, ouais. Mais regardez ce que j'ai eu. C'est des chevaux, c'est 4 chevaux squelettes. 4 chevaux squelettes, 4 chevaux squelettes. Donc voilà, je suis hyper content. Regardez celui-là. La vie qu'il a. Il a trop de vie et il saute de 2 blocs en plus. Il est trop stylé, il va vite et tout. C'est stylé, c'est stylé. Donc voilà, hop, regardez, hop. Je suis trop content. Donc vous avez deviné, dans cet épisode, nous allons faire une écurie. Donc voilà, du coup, je vais sûrement faire un épisode de 10 minutes. Donc du coup, je vais commencer à croiser le trou avec vous. Donc du coup, elle tombe. Voilà, parfait. Donc on va faire tac. Donc alors on va faire l'usine. Genre 3, enfin l'usine. 3, 1, 2, 3. On va faire une porte comme ça. De 3 par 3. Ou je sais pas, ouais, 3 par 3. Non, 4. 4, 4, 4. On va faire un truc de ce type là. Comme ça. Et du coup, je vais creuser une grande salle. Enfin, on va pas faire une écurie automatisée dans cet épisode. On va faire une écurie normale, simple, mais ça fait une écurie. Donc je pense que je vais la faire en bois ou en quartz, je sais pas. Mais je pense que je vais plutôt la faire en bois. Donc du coup, là je vais commencer à creuser. Je vais faire le grand trou, etc., etc. Ici, je vais mettre, je vais décorer et tout, tout. Je vais prendre tous les ressources qu'il faut et je vais faire la déco avec vous. Donc voilà, je vais faire ça comme ça. Juste en terre. Comme ça. Ok, donc voilà. Et là, hop. Voilà, parfait. Donc du coup, on se retrouve quand j'aurai creusé le trou, quand j'aurai tous les matériaux. Bref, quand j'aurai trouver les matériaux de la déco et quand je ferai la déco. Donc voilà, en fait j'ai juste pris les matériaux, j'ai juste creusé 2-3 plus de 2-3 de plus, mais j'ai pris les matériaux. Donc alors je pense que je vais faire un pattern avec ça. Donc ça, je pense que je vais mettre au plafond comme ça. On va tester un pattern, hein, les gens. Moi, comme je suis pas très fort en déco, je sais pas si ça va bien faire, mais bon. Là, attends, je vais peut-être faire des escaliers en spruce. Escalier en spruce. Ok, Mako. Ouais, 4 barres, ok. Ok, donc je vais faire des escaliers en spruce. Comme ça. Ouais, voilà, c'est même beau, parfait. Pour ici, il va faire un truc. Comment je peux faire ça? Ouais. Non, ça bof. Plutôt faire comme ça et... Non mais, lol. Ouais, comme ça. Ok, donc alors là, on va faire un bloc comme ça. Un bloc comme ça. Alors, tac. Ok, ok. Donc là, voilà. Ici, je pense on va faire de ce type. Comme ça. Comme ça. Ici, l'entrée. Et puis, on se pousse comme ça. Eh, pas mal l'entrée. L'entrée, franchement, j'admire. Hop. Et après, comme ça. Après, peut-être comme ça. Les piliers comme ça. Ah ouais. Eh. Plutôt pas mal, tu sais. Là, on va casser ça. On va casser ça. Et on va faire une sorte... truc comme ça. Avec... pilier comme ça. Ah ouais, stylé comme ça. Et j'ai trouvé un truc de fou. Un truc de fou. Moi, je trouve que ça fait... Moi, je trouve que ça fait bien. Ça fait... Attends. Peut-être remplacer... celui-là par des grilles.
comme les gros piliers pour que ça suive quoi. Peut-être comme ça. Ok, parfait. Donc là, on va avoir notre première salle. Donc je vais faire pas trop grand ni trop petite. Donc ok. Donc en fait pour le plafond, à chaque fois je vais faire pareil. Hein, tac. Voilà, voilà. Une petite écurie. Parfait, parfait. Donc je vais faire la première case avec vous. Puis les autres, je ferai en riz. Je vais en faire 4. Parce que j'ai 4 chevaux. Donc ici, on va faire un truc en poli comme ça. Parfait. Après, par terre, je pense qu'on va mettre du pot de sol, de la dirt. De la dirt, on va mettre de la dirt. Non, attends, j'ai de la grasse là-bas. De la grasse. Bref, vous avez compris. Non, pas tout de suite le feuillage. Non. What? Je l'ai mis où ma grasse? Ah là. Besoin de terre. Ok, c'est bon, j'en ai. Ne t'inquiète pas. Donc voilà, je pense que sur ce let's play, je vais faire peut-être des épisodes ni trop courts ni trop longs. Je pense que je vais alterner les épisodes. Donc voilà, tac, on se va se dépêcher. Donc là, ça fait déjà faire 6 minutes que je suis en rec. Je pense... ouais, je dois faire une coupure, je pense. Bref. Donc voilà. Je pense que c'est assez profond. Donc alors, ici, pour... On va faire un truc... Comme ça. Ou peut-être avec des barrières que j'appuie sur un levier. Ouais, je pense que je vais faire ça les mecs. Donc je vous retrouve quand j'aurai fait le petit pont là comme ça. Enfin, bref, en gros là ça va s'abaisser, ça va faire tout tout. Bref, vous m'avez compris. Donc voilà. Donc du coup, on se reprend quand j'aurai fini tout le décor et la cage, etc., etc. Donc voilà les mecs, ça y est, j'ai fini mon pattern. Donc voilà, là je suis avec mon cheval. Donc voilà, là en fait c'est quand on arrive. C'est comme ça, voilà, et quand on arrive, on va dedans, hop, voilà. Donc dans cet épisode, on va le renommer, et j'ai décidé de le renommer Pepito. Pepito. On va le renommer Pepito. Voilà Pepito. What? Ok, j'ai eu peur. Pepito. Ok, tac. Pepito. Donc voilà, Pepito. Pepito, tu es là. Pepito, Pepito. Donc voilà, on se dit à plus. C'était Shinyx. Donc voici le système là que j'ai fait avec un levier. Donc c'est un fil de redstone. Voilà, qui fait répéteur. Tac. Je vais torcher parce que sinon ça va spawn. Qui fait track, voilà, voilà. Et après au piston, répéteur, tac. Voilà. C'est tout simple. Donc on va mettre hop, une petite torche là. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc voilà, c'était Shinyx. N'hésitez pas de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, peace.